Ce lieu était vide. The ground wasn't there. Même le sol même n'était pas comme ça. Il n'y avait rien ici. And we prayed. Et nous avons prié. And I said, I will come back. Et j'ai dit, je reviendrai. By divine authority. Par l'autorité divine. To dedicate this building. Pour dédicacer ce lieu. And today, ce lieu. And today we are here. Et aujourd'hui nous sommes là. It's not money that did this. C'est pas l'argent qui a fait ça. This is not money. Écoutez, c'est pas l'argent. This is not anointing. Ça, c'est pas l'onction. This is not a gift. Ce n'est pas le don. This is not principle. Ce n'est pas l'application des principes. Somebody asked me the other day. Un jour, quelqu'un m'a demandé. He said, Papa, il dit, Papa, what is the secret of your success? Quel est le secret de ton succès? And I said, me, j'ai dit, moi, I have no secret. Moi, j'ai pas de secret. Number two, deuxièmement, I am not yet successful. Je n'ai même pas encore réussi. Toi, tu dis, j'ai réussi. I'm not successful. Je n'ai pas encore réussi. I'm not successful. Je n'ai pas encore réussi. I'm still pushing. Je suis en chemin. I'm still working et out je my pousse, salvation. Je continue de travailler à cela. I'm working out my salvation. Je suis en train de travailler with à mon fear salut. And trembling. Dans la peur, dans la crainte et dans le tremblement. I am not yet successful. Je ne suis pas encore arrivé. And let me say this to every child of God. Et je veux dire ceci à tout enfant de Dieu dans ce lieu. You are not successful. Tu n'as pas réussi encore. It doesn't matter if you fill the stadium every Sunday and you hold 10 services. Peu importe si c'est au stade que toi tu fais culte jusqu'à tu fais 10 cultes chaque dimanche. You are not successful. Tu n'as pas encore réussi. Let me tell you. Je veux te dire. Success. Le succès. Is not determined by what you have. N'est pas déterminé ou quantifié par ce que tu as. Or where you are. Ou là où tu es. True success. Le véritable succès. Has to do with how you finish. A voir avec comment tu termines. When Jesus said. Quand Jésus a dit. On the cross. Sur la croix. It is finished. Tout est accompli. That was his success. C'était là son succès. When Paul said. Quand Paul a dit. I have fought a good fight. J'ai combattu le bon combat. I've kept the faith. J'ai gardé la foi. I've finished my course. J'ai fini ma mission. That is success. Ça, on appelle ça succès. You know why the church is dying? Vous savez pourquoi l'église meurt? You know why there is division? Vous savez pourquoi il y a tant de divisions? You know why there is arrogance? Est-ce que vous savez pourquoi il y a tant d'arrogance? And flesh. Et la chair. And pride. Et l'orgueil. Among us. Parmi nous. It's because c'est parce que we miss what success is. Nous n'avons pas compris la signification du succès. Let me tell you. Je veux vous dire. Let me tell you what success je is. Je veux vous dire ce que c'est que le succès. The day you hear these words. Le jour où tu entends ces paroles. Thou good. Toi bon. And faithful servant. Et fidèle serviteur. Until you hear that word, tant que tu n'entends pas ces mots, you are not successful. Tu n'as pas encore réussi. I know you are gifted. Je sais que tu as I know you dons. Are powerful. Je sais que tu pries beaucoup. Yeah. Oui. And I know you are loaded. Je sais que tu es chargé. But take it easy. Mais pardon, faut te calmer. Because until you hear. Parce que tant que tu n'as pas entendu the voice of the master, la voix du maître on that day, en ce jour-là when the curtains are brought down, où les rideaux vont tomber when water finds its level, quand l'eau est remplie à ras-bord and when the dust is settled, et quand la poussière est à son comble and time et le temps gives room to eternity. Donne cède la place à l'éternité. You are not successful. Tu n'as pas encore réussi. Hear me. Écoute-moi. Hear me. Écoute-moi. Heaven's definition of success. La définition céleste du succès is different from man's definition of success. Est différente de la définition que les hommes donnent au succès. Today, aujourd'hui, we relate to people nous avons des amitiés based on our assessment of their success. Sur la base d'à quel point on peut accéder à leur succès.
We don't relate to people as human beings anymore. Nous ne, nous n'avons pas des relations comme des êtres humains ordinaires désormais. We don't relate to people as brethren anymore. Nous ne marchons pas avec les gens comme des frères et sœurs. Nous ne marchons plus comme ça. We relate to people. On marche avec des gens. Based on how huge they are by social media. Sur la base de à quel point ils ont réussi sur les réseaux sociaux. One of my bishops said to me, Papa. Un de mes évêques m'a dit, Papa. Invite that preacher. Invite ce prédicateur. He's big. Il est grand. Hein? On social media. Sur les réseaux sociaux. And I said. Et je lui ai dit. I don't know his character. Je ne connais pas son caractère. What I see on social media. Ce que je vois sur les réseaux sociaux. Is the gift and anointing on him. C'est le don et l'onction qui est sur sa vie. And until I know. Et tant que je ne connais pas the anointing in him, l'onction en lui, in him, en lui, I won't invite him. Je ne vais pas l'inviter. David was a man était un homme after God's own heart. Selon le cœur de Dieu. Thanksgiving, l'action de grâce. Psalm 104. Thanksgiving. 104. Psalm 104. Is when you acknowledge what God has done every now and then, and you give thanks. Le remerciement, c'est quand de temps en temps tu vois ce que Dieu fait pour toi et puis tu lui dis merci. But thankfulness. Mais la gratitude is different from thanksgiving. Est différent de l'action de grâce. Thankfulness. La gratitude is an attitude of gratitude. C'est une attitude continuelle de gratitude. You are grateful. Tu es reconnaissant. You are grateful. Tu es reconnaissant. You are grateful. Tu es reconnaissant. The lack of thankfulness. Le manque de gratitude. Is complaints. Ce sont les plaintes. Complain. Les plaintes. Being critical of others. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer les autres. You don't appreciate anything. Tu n'apprécies rien. You are never satisfied. Tu n'es jamais satisfait. You are never fulfilled. Tu n'es jamais accompli. Always complaining. Toujours en train de te plaindre. Always finding fault with people. Toujours en train de trouver des erreurs sur les autres. Even when there is no problem, you will create a problem. Même quand il n'y a pas de problème, toi tu as trouvé le moyen de créer problème là. You are always sad. Tu es toujours triste. You are always unhappy. Tu n'es jamais content. Always complaining and blaming others. Toujours en train de te plaindre et en train de blâmer les autres. You are never grateful. Tu n'es jamais reconnaissant. And you know why? Et tu sais pourquoi? Because you have forgotten from when you came from. Parce que tu as oublié d'où tu es quitté. I have 43 brothers and sisters. J'ai 43 frères et sœurs. My father had 37. Mon père avait 37. My mother had 6. Et ma mère avait 6. So I have 43 brothers and sisters. Donc en tout, j'ai 43 frères et sœurs. And hear me. Et écoutez-moi. I'm the first believer in my family. Je suis le premier croyant de ma famille. The first pastor. Le premier pasteur. The first bishop. Le premier évêque. The first archbishop. Le premier archevêque. So hear me. Donc écoutez-moi. Because of that. À cause de cela. I walk very humble. Je marche vraiment de façon très humble. Because my father was not an archbishop. Parce que mon père n'a pas été archevêque. But God. Mais Dieu. Made me an archbishop. A fait de moi un archevêque. My father. Mon père. Was not a believer. N'était pas croyant. But God. Mais Dieu. Made me a believer. A fait de moi un chrétien. So I walk very humble. Donc quand je marche là, je marche because humblement. I realize. Parce que je me suis rendu compte. That I am what I am. Que je suis ce que je suis. Because God showed me mercy. Parce que Dieu m'a fait grâce. And if it wasn't for the mercy of God. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu. I wouldn't be standing here. Je ne serais pas ici devant vous. Yesterday night. Hier nuit. I had dinner. Je suis allé faire un dîner. With my friend Bishop Michael Pitt. Avec mon ami le Bishop Michael Pitt. And my granddaughter. Et ma petite fille. One of my granddaughters. Une de mes petites filles. And we talk. Et nous avons causé. And I said. Et j'ai dit. Granddaughter. Petite fille. Come. Viens.
And I said, you see these waters? Je dis, tu as vu ces eaux? There is a village over there. Je dis, il y a un village au fond là-bas. Called Lokojuru. Qu'on appelle Lokojuru. And I said, et je lui ai dit, you are 16. Tu as 16 ans. And when I was 16, et quand moi j'avais ton âge, at your age, à ton âge, I drove from Ghana. Je suis quitté au Ghana. And I crossed the river. Et j'ai traversé les eaux. And stayed in Lokojuru. Et je me suis retrouvé à Lokojuru. And I went on a stowaway. Et j'ai été passager clandestin sur un bateau. Twice. Deux fois. From Lokojuru. Pour atterrir à Lokojuru. To Europe. À partir de Lokojuru, pardon. To Europe. Pour aller en Europe. And I said a lot of my friends. Et je dis beaucoup de mes amis. Were thrown into the sea. On les a jetés à la mer. And the sharks. Et les sharks. Les requins. Ate them up. Les ont mangés. And they died. Et ils sont morts. But I'm still here. Mais moi je suis encore en vie. I want you to remember that. Je veux que tu te souviennes de cela. I said, girl. J'ai dit, all you see. Ce que tu vois. And all you hear. Et tout ce que tu entends. Is how great. C'est à quel point. And big. Brave j'ai été. Your grandfather is. Que ton grand-père a but été. But I said before. J'ai dit avant. Your grandfather. Ton grand-père. Became big. Avant qu'il ne devienne became grand. Became huge. Il devienne aussi important. Remember, souviens-toi, there is a small village, qu'il y a eu un petit village across the rivers in Côte d'Ivoire, derrière les eaux, called Lokojuru, appelé Lokojuru. I used to live there. Je vivais là-bas. And I went on stowaway twice. Et je suis allé clandestinement sur and I could have died. Le bateau deux fois et j'aurais but pu God, mourir. Mais Dieu. But God. Mais Dieu. But God. Mais Dieu. But God. Mais Dieu. But God. Mais Dieu. Showed me mercy. M'a montré sa miséricorde. Somebody say mercy, mercy, mercy. Quelqu'un dit miséricorde, 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 miséricorde. Sit down. Asseyez-vous. God said. Dieu a dit. David. David. Remember. Souviens-toi. Don't forget. N'oublie pas. I know you are king. Je sais que tu es un roi. You are good at war. Quand tu vas au combat, tu es vraiment compétent. You are skillful. Tu as les compétences. But remember, mais souviens-toi. You were a shepherd. Tu étais un berger. You were a shepherd. Tu étais un saint berger. And God said, David, et Dieu a dit, David, you were following the sheep. Tu suivais les brebis. You were following the sheep. Tu suivais les brebis. You weren't leading the sheep. Ce n'est même pas toi qui les conduisais. You were following the sheep. Tu les suivais. You were following men. Tu suivais les men. Moutons. And I gave you the power. Et puis je t'ai donné la puissance. To kill a lion. Pour tuer un lion. To kill a bear. Pour tuer un ours. To kill Goliath. Pour tuer Goliath. And I made you a king. Et je t'ai fait roi. David. 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 Don't forget. N'oublie pas. I'm going to let Bishop Michael. Je vais permettre à l'évêque Michael. Come and say something in few minutes. De venir dire quelque chose en quelques minutes. Look at me. Regardez-moi. Look at me. Regardez-moi. The only reason why I'm still standing here. La seule raison pour laquelle je me tiens encore ici. And I'm in high demand all over the world. Et que je suis demandé fortement partout dans le monde. It's not because I'm anointed. Ce n'est pas parce que je suis oint. It's not because I'm gifted. Ce n'est pas parce que j'ai des dons. It's not because I'm special. Ce n'est pas parce que je suis si spécial. But it's because. Mais c'est parce que God. Dieu. Showed me mercy. M'a montré sa miséricorde. That's it. Mercy. Sa miséricorde. Somebody scream. Mercy. Miséricorde. Sit down for 2 minutes. Asseyez-vous 2 minutes. And God said, David, et Dieu a dit, David, as long as aussi longtemps you don't forget que tu n'oublies pas where I took you from, de l'endroit où je t'ai tiré, I will always be with you. Je serai toujours avec toi. I have fought battles. J'ai combattu des combats. I have fought presidents. J'ai combattu des présidents. I have fought
life and death. J'ai combattu la vie et la mort. And I'm still standing. Et je suis encore vivant. You know why? Vous savez pourquoi? I refuse to take credit for anything. Je refuse de m'attribuer une gloire quelconque. I don't. Je refuse. When my children tell me, Dad. Quand mon fils. Dad. Est mort. Non. Yeah, Dad. Me. Quand me. Mon fils Dad. Do you know who is listening to your messages? Yes. I didn't hear. He said, Dad. He did. Père. So-and-so is online. Okay, telle personne est sur les réseaux sociaux. They are listening to your message. Ils sont en train d'écouter ton message. I said. J'ai dit. So what? Donc quoi? I don't let anything get into my head. Je ne fais pas que quelque chose me donne la grosse tête. David. David. Was a man after God's own heart. Était un homme selon le cœur de Dieu. Because he always remembered where he came from. Parce qu'il s'est toujours souvenu d'où le Seigneur l'a tiré. A lot of you. Beaucoup parmi vous. You don't want to talk about where you have come from. Vous n'aimez pas parler de votre passé, hein? You want to give an impression that you. Vous voulez donner l'impression que vous. You came from heaven. Vous êtes descendu du ciel. You didn't come from anywhere. Tu n'es pas descendu du ciel quelque part là-bas. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Bishop. Évêque. This is great. Ça c'est grand. This is beautiful. C'est joli. But bishop. Mais évêque. If you are not careful. Si tu ne fais pas attention. You will get stuck here. Tu vas stagner ici. Because this is beautiful. Parce que en réalité c'est joli. This is great. C'est grand. But hear me. Mais écoute-moi. Shh. Silence, s'il vous plaît. The Bible La Bible said, dit. Eyes have not seen. Les yeux n'ont pas encore vu. Ears have not heard. Les oreilles n'ont pas encore nor entendu. Entered the hearts of men. C'est même pas monté what au God has planned for you. Ce que Dieu a planifié pour toi. The Bible said La your latter will be greater than your former. Ta fin sera plus grande que ton commencement. You think this is great? Tu penses que ça c'est grand? Bishop. Évêque. You think this is great? Tu penses que ça c'est grand? If God can open your eyes. Si seulement Dieu pouvait ouvrir tes and yeux. And show you the future. Et te montrer l'avenir. You will realize. Tu vas te rendre compte. That this is a stepping stone. Que ça c'est juste un marchepied pour arriver to something better and greater. Pour quelque chose come on, say plus yes. Grand et meilleur. Que quelqu'un dise oui. Sit down. Veuillez vous asseoir. I've seen greatness. J'ai vu la grandeur. I've walked with greatness. J'ai marché avec la grandeur. I've been in palaces of kings and princes and princesses. Je suis allé dans des palais de rois, de princesses, de reines. And I'm not impressed. Et je n'ai pas été impressionné. A lot of things don't impress me. Beaucoup de choses ne m'impressionnent pas. And I want to tell you something. Et je veux vous dire quelque chose. D.L. Moody. D.L. Moody. Went to heaven. Est allé au ciel. Then an angel. Et un ange. Took him to his mansion. L'a pris pour aller dans sa demeure céleste. Beautiful mansion. Une très belle maison. When they took him around, quand on l'a fait traverser tous he saw les environs, a mansion opposite his. Il a vu une belle maison, une demeure en face de sa maison. So he said to the angel, et il a demandé à l'ange, whose mansion is that? Cette demeure-là, c'est pour qui? The angel said, l'ange a dit, the woman, la femme, in the wheelchair, qui est assise dans le fauteuil roulant là, in your church, dans ton église là, that is her mansion. C'est pour elle. D.L. Moody said, D.L. Moody dit, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. I'm the preacher. Mais c'est moi le prédicateur. I cast out devils. C'est moi qui te I heal the ça. Sick. C'est moi qui, I preach. Qui prêche. I teach. C'est moi qui enseigne. I'm the one who is doing the job. C'est moi qui fais le travail en réalité. I must have a better mansion Je than her. Je peux avoir une meilleure maison qu'elle. And the angel said, et l'ange a dit, I'm sorry. Désolé. Heaven's definitions. La définition céleste. Of success du succès is different est différente from man's definition of success. De la définition des hommes du succès. The angel said,
Alors l'ange a dit, the woman in the wheelchair, la femme qui assise dans le fauteuil roulant, is because of her faithful prayers. C'est à cause de ses prières fidèles. That's why every Sunday you pour stand. Toi, c'est ce qui te permet tous les dimanches de venir te tenir là. And you preach. Et puis tu prêches. That's why c'est pourquoi you pray. Tu pries. And there is miracles. Et il y a des miracles. It's because of her prayers. C'est à cause de ses prières. So without her prayers, donc sans ses prières, you can't stand preaching on Sunday. Tu ne peux même pas te tenir au pupitre pour prêcher dimanche. So that woman, donc cette femme, must have more than you. Elle doit avoir plus que toi. Listen. Écoute. The day Jesus comes, le jour où Jésus reviendra, it will be very frightening. Ce sera effrayant. I'm telling you. Je vous le dis. When I went to heaven, quand je suis allé au ciel, 1 hour 45 minutes. 1 heure 45 minutes. They took me to places. On m'a conduit dans des endroits. But I'll tell you only one thing. Mais je vais vous dire juste une chose. They took me to a high mountain. On m'a conduit sur une haute montagne. And they showed me a city. Et ils m'ont montré une ville. And the angel said, et l'ange a dit, that is the city. Voici la ville of T.L. Osborne. De T.L. Osborne. And I said, T.L. Osborne? J'ai dit T.L. Osborne. That is my grandfather in the faith. Ça c'est mon grand-père dans la foi. T.L. Osborne? T.L. Osborne? Didn't have a church building. N'avait aucun bâtiment. He wasn't on TBN. He wasn't on any television network. Il n'était sur aucune chaîne de télé. And I said, et j'ai dit, ah, Father, Père, T.L. Osborne? T.L. Osborne have a city. Il a jusqu'à ville même. Not a mansion. Pas maison, hein. So, 3 weeks after, et donc, 3 semaines plus tard, I went to Tulsa, Oklahoma. Je suis allé en Oklahoma to visit my children. Pour rendre visite à mes enfants. They were in Oral Roberts University. Ils étaient à l'université de Oral Roberts. I went through Continental. Je suis passé par le continent. Through Continental. Airline. Through Dallas. Sur ce vol-là. When I was going, et quand je partais, the Lord said, le Seigneur a dit, change your ticket. Change ton billet. Go through Chicago. Passe par Chicago. So I said, je dis, mais, I don't like Chicago. Je n'aime pas Chicago. The Lord said, go through Chicago. Le Seigneur dit, passe par Chicago. So I called my daughter. Donc j'ai appelé ma fille. I said, Elsie. Je lui ai dit, Elsie. Reroute me through Chicago. Il faut prendre un autre billet qui passe par Chicago. She said, why Chicago? Elle dit, mais pourquoi Chicago? I said, I don't know. Je dis, je ne sais même pas. Just get me through Chicago. Il faut juste t'assurer que je passe par Chicago. When we got to Chicago, et quand nous sommes arrivés à Chicago, my flight was delayed for 2 hours. Mon vol a été retardé pendant 2 heures de temps. So I said, I think I missed the Lord. Je dis, je pense que je n'ai pas bien compris ce que sit le Seigneur a dit. For 2 hours for what? Venez m'asseoir ici 2 heures, pourquoi? So I said, donc j'ai dit, let me go have cappuccino. Je veux aller prendre un cappuccino. At Starbucks. À Starbucks. I was in the line. Alors j'étais dans la queue, dans then le rang. Then the Holy Spirit said, et le Saint-Esprit m'a dit, lift up your eyes. Lève les yeux. Look. Regarde. When I looked, quand j'ai regardé, T.L. Osborne, T.L. Osborne was sitting there having coffee. Était assis dans le café en train de prendre son petit déj. So I walked to him. Donc je suis allé vers lui. I said, Grandpa. J'ai dit, grand-père. He said, Nicholas. Il dit, Nicolas. Sit down. Assois-toi. How are you doing? Comment tu vas? And we talked. Et on a causé. And I said, Grandpa. Et je lui ai dit, papa. I saw your city j'ai in vu heaven. Ta ville au ciel. Not a mountain. Pas une maison, hein. Not a building. Pas un bâtiment. A whole city. It was huge. Une belle ville, grande comme ça. And he smiled. Et il a souri. He smiled. Il a souri. And he said, that's why. Il a dit, c'est pourquoi. I am over 80. J'ai plus de 80 ans. And I'm still traveling. Et je continue de parcourir le monde. And preaching. Prêchant. And blessing you young generation. Et bénissant vous, la nouvelle génération. Hear me. Écoutez-moi. You can never be thankful. Tu ne peux jamais être reconnaissant. If you forget where God took you from. Si tu oublies d'où le Seigneur t'a tiré. If you remember. Si tu te souviens. That your father was not a prophet. Que ton père n'était pas prophète. But God made you a prophet. Mais Dieu a fait de toi prophète. You humble yourself. Tu seras humble.
When you recognize quand tu reconnais that it is not by might, que ce n'est pas par la force, nor by education, ni par ton éducation, nor by power, ou par ta puissance, but it's by the grace of God, mais que c'est par la grâce de Dieu, you humble yourself. Tu vas être humble. And when you humble yourself, et quand tu vas t'humilier, you will be grateful. Tu seras reconnaissant. You will be thankful. Tu seras quelqu'un qui a de la gratitude. You have an attitude of gratitude. Tu auras une attitude de gratitude. You will be a human being. Tu seras un être humain. A human being. Un être humain. It doesn't matter if you raise the dead. Peu importe si tu ressuscites des morts. You will still be a human being. Tu es toujours un être humain. I've seen wonders. J'ai vu des merveilles. I've seen miracles. J'ai vu des miracles. I've seen crowd. J'ai vu la foule. I've seen money. J'ai vu l'argent. But it doesn't move me. Mais ça ne me branle pas. You know why? Vous savez pourquoi? I want to go to heaven when je Jesus veux comes. Aller au ciel quand Jésus va venir. Because hear me. Parce que écoutez-moi. You can raise the dead. Tu peux ressusciter les morts. Fill the stadium. Remplis les stades. And go to hell. Et puis tu vas aller en enfer quand même. Je vous le dis. I'm going to hand over to Bishop to say something. Je vais demander à l'évêque de venir et il va dire quelque chose. I want all the people with the shofar and the trumpets to stand in position. Je veux que tous ceux qui ont les trompettes et les cornes de se positionner. We are going to do something very special. Nous allons faire quelque chose d'essentiel. Thank you for coming. Merci d'être venu. Never forget. N'oubliez jamais. As long as you live. Aussi longtemps que vous vivez. Where you come from. D'où vous venez. Where God took you from. Là où Dieu vous a pris. Hear me. Écoutez-moi. When my father died. Quand mon père est mort. He never took me to his village. Il m'a jamais envoyé dans son village. When he died. Quand il est mort. Was the first time I went to his village. C'était la première fois que j'allais chez lui au village. And when I saw my father. Et quand j'ai vu mon père. The house he was born in. La maison dans laquelle il est né. I became humble. Je suis devenu humble. I said. J'ai dit. If this is where my father was born. Si c'est ici que mon père est né. And this is where my father came from. Et c'est d'ici que mon père est sorti. Then I must humble myself. Alors il faut que je sois humble. Because I am not qualified. Parce que je ne suis pas qualifié. To be who I am. Pour être ce que je suis aujourd'hui. I bring you greetings from the United States of America. Je vous salue, je vous apporte les salutations depuis les États-Unis. This is my first time ever to Abidjan. C'est la première fois que j'arrive à Abidjan. And I think maybe I should tell you that I'm your new friend, you just don't know it yet. Et je pense que je devrais vous dire que vous êtes un ami, je suis un ami que vous ne connaissez pas encore. It's interesting to know the moments that we are in. Il est important et intéressant de connaître les temps dans lesquels nous sommes. Today, on this very day, one of my churches in Washington in America is moving into a new building. Alors aujourd'hui, une de mes églises à Washington se déplace pour aller dans un nouveau bâtiment. And the other week the pastor said to me, I want you to come and be there on our first Sunday. Et le pasteur de la branche en question a demandé que je sois là dimanche pour l'inauguration. And I said to him, you will have to wait until the next Sunday. Je lui ai dit, il va falloir bien patienter un dimanche de plus.
And he said, why? Et il a dit, mais pourquoi? I said, because God is calling me to Abidjan. Je dis, parce que Dieu m'a envoyé en mission à Abidjan. There is a reason. C'est la raison pour laquelle that I'm supposed to be in Abidjan. Je suis supposé être à Abidjan. And when Papa said to me, I need you to come to the Ivory Coast with me. Et quand papa m'a dit, j'ai besoin que tu m'accompagnes à Abidjan. I told one of my own pastors. J'ai dit à un de mes pasteurs. Today is moving in his new building. Aujourd'hui, c'est vrai, tu vas dans un nouveau bâtiment. Give me one more week. Mais donne-moi encore une semaine. Next Sunday I'll be there. Dimanche prochain, je serai là-bas. But this Sunday I am here. Mais ce dimanche-ci, je suis à Abidjan. Because God is making history right here in this place. Parce que Dieu réécrit l'histoire dans ce lieu aujourd'hui. Somebody say yes. Que quelqu'un dise oui. And I thought about this thing about Jacob in Genesis 28. Et j'ai pensé à ceci concernant Jacob dans Genèse 28. It says, and Jacob came to a certain place. Et il est dit que Jacob est arrivé à un certain lieu. Not just anywhere. Pas n'importe lequel. A specific place. Un lieu spécifique. And when he got to that place. Et quand il est arrivé à cet endroit. That he took the stones of that place. Et qu'il a pris les pierres de ce lieu. And he used them for pillows and he went to sleep. Et qu'il a utilisé ces pierres comme oreiller et qu'il allait se coucher. And he dreamed a dream. Et il a fait un songe. And he saw a ladder. Et il a vu un escalier. Part of it on the earth. Une partie sur terre. Part of it in heaven. Et l'autre partie dans le ciel. And angels ascending and descending upon the ladder. Et les anges utilisant ces escaliers-là pour monter et descendre. And God stood above the ladder. Et Dieu s'est mis au-dessus de l'escalier, de l'échelle. And said, I'm giving you and your children all of this land. Il dit, je te donne à toi et à ta descendance toute cette terre. Here's what really touched me. Ce qui m'a véritablement touché. It said, Jacob woke up. Il a dit que Jacob s'est levé. And he said the Lord was in this place. Et il a dit certainement Dieu était dans ce lieu. And I knew it not. Et je n'ai pas su. Can I tell you something? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? God gives everybody a place. Dieu donne à chacun un endroit. Everything cannot happen the same in every place. Tout ne peut pas se passer pareil dans différents endroits. And the danger is to think that because we are great in one place, we can be great any place. Et le danger, c'est de croire que parce que on est grand quelque part, on peut être grand partout. But God gives everyone a place. Mais Dieu donne un lieu à chacun. And when we find our place. Et lorsque nous trouvons notre place. The heavens open over our life. Les cieux s'ouvrent sur nos vies. Jacob's story teaches us something. L'histoire de Jacob nous enseigne quelque chose. That everyone needs a place where the heavens are opened over their life. Que chacun a besoin d'un endroit où le ciel s'ouvre sur lui. And the heavens will be open over this place. Et le ciel sera toujours ouvert à cet endroit précis. Everyone needs a place where something touches the heavens and something touches the earth. Chacun a besoin d'un lieu où quelque chose touche le ciel et touche en même temps le ciel. Jacob said, this is the gate of heaven and this is the house of God. Et donc il a dit, ceci est la maison de Dieu, ici c'est la porte des cieux. The church is the place. L'église, c'est l'endroit that becomes the gate of heaven into your life. Qui devient la porte du ciel dans votre vie. Where the windows are opened over your life. Quand les fenêtres s'ouvrent sur vos vies. And angels ascend and descend upon your life. Et que les anges montent et descendent dans votre vie. Everyone needs a place to dream. Tout
Tous avons besoin d'un endroit pour rêver. And when you find your place, et quand tu trouves ton endroit à toi, you will begin to dream dreams. Tu vas commencer à avoir de grands rêves. You will begin to see angels ascending and descending. Tu vas commencer à voir des anges monter et descendre. You will know that God was with you all the time. Et tu sauras que Dieu est avec toi tout le temps. Everyone needs a place. Chacun a besoin de son endroit. To be planted. Pour être planté. Everyone needs a place to sow, to give. Chacun a besoin d'un endroit où semer. Here's what Jacob said. Voici ce que Jacob a dit. If God will be with me, si seulement Dieu sera avec moi, and keep me in all the places, et qu'il me garde dans tous les endroits que je parcours, but bring me again unto this place, et qu'il me ramène sain et sauf dans ce lieu, and give me food to eat, qu'il me donne la nourriture, and clothes to wear, des vêtements pour porter, that he will be my God, alors il sera mon Dieu, and everything that he gives me, et tout ce qu'il me donne, I will bring a tenth to je vais him. Lui ramener cela. Everybody has to have a place. Chacun doit avoir son endroit. That causes you to dream. Où vous pouvez rêver. Everybody has to have a place. Chacun doit avoir un endroit. Where heaven and earth are connected. Où le ciel et la terre sont connectés. Everybody has to have a place. Tout le monde doit avoir un endroit. Where things are going up and things are coming down. Où les anges montent et descendent. And everybody has to have a place. Tout le monde doit avoir un endroit. That you give into. Où tu sèmes. And that you return back to. Au point où tu reviens à cet endroit. Because he is your God. Parce que désormais il est ton Dieu. I just want to say congratulations to you. Je veux juste vous dire félicitations. And congratulations to all of you. Et félicitations à vous tous qui êtes là. Congratulations. Félicitations. I say congratulations because a lot of people don't know how hard it is to do what you have done. Je dis félicitations parce que beaucoup ne savent pas par quoi on peut passer pour réaliser quelque chose comme ça. I say congratulations to all of you because you're making history and you had a part to play in it. Je vous félicite tous parce que vous faites partie de l'histoire qui est en train d'être écrite par votre présence ici ce soir. And one day we will tell the story about how we were here the nights that the lights went out. Un jour, nous allons rendre témoignage que nous étions là lorsqu'on faisait l'inauguration de ce lieu. And we will tell the story about how we did not give up. Et nous allons raconter l'histoire comment est-ce qu'on n'a pas abandonné en and chemin. And we did not get home. Et nous ne sommes pas restés. And we did not shut the service down. Nous n'avons pas arrêté de faire les cultes. We will tell the story. Nous raconterons l'histoire. About how Papa reminded us of where we came from. Comme Papa l'a dit, pour que nous nous rappelions d'où le Seigneur nous a tirés. We will tell the story, and when people say, "How come you didn't go back home?" Quand quelqu'un va nous demander comment est-ce que vous n'êtes pas retourné à la maison et que vous avez quand même continué jusqu'ici, we will say because God gave us a place. Vous allez dire c'est parce que Dieu nous a donné un endroit. And we are not surrendering our place. Et nous nous soumettons à cet endroit. This is where God meets us. C'est ici que Dieu nous rencontre. This is where God hears us. C'est ici que Dieu nous entend. This is where the windows open up over us. C'est ici que les écluses des cieux s'ouvrent sur and nous. And the light that comes from this place. Et la lumière vient dans ce lieu. Will shine to every other place. Et la lumière qui vient de ce lieu va s'éparpiller partout. I'm a little worried for my pastor in Washington. En fait, je suis un peu inquiet pour mon pasteur à Washington. Because when I get there next week, parce que lorsque je vais arriver là-bas la semaine prochaine, I'm going to have to tell him. Il se pourrait que je lui dise, the people in Abidjan have way outdone you. Les gens d'Abidjan ont fait mieux que toi. But but I will say it's okay. Mais je vais quand même dire, tu as bien travaillé. Because this is your place. C'est ton endroit aussi.
God gives all of us a place. Dieu nous donne à chacun un endroit. And we do things to memorialize it, to commemorate it. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce souvenir, ce mémorial. In just a moment, Papa, my good friend, Archbishop, my friend, is coming to speak his words of dedication. Et donc, dans quelques instants, mon frère, mon ami personnel, l'archevêque, va venir pour dédicacer ce lieu. And a dedication is a dedication of a place to God that we will use this place for your glory. Et donc, c'est un lieu que nous allons dédier au Seigneur et utiliser ce lieu pour glorifier Dieu. But it's not just the dedication of a building. Mais ce n'est pas juste une histoire de dédier un bâtiment. It's the dedication of a people to a place. C'est aussi la dédicace du peuple à un lieu. One of the ways that things are remembered is by, I guess, what we would call trophies. Une des choses par lesquelles on se souvient de quelque chose, c'est par les trophées. I don't know if you know this. Je ne sais pas si vous savez cela. That when David defeated David Goliath, renversé Goliath, and he took Goliath's sword, et qu'il a pris l'épée de Goliath, finished the job, et qu'il a terminé le travail. That sounds like a good message for all of us preachers. Je pense que ça c'est un bon message pour la plupart de nous. We should preach a message called "Finish the Job." Nous parlons beaucoup de finir le travail. Sounds good, yeah. And David took the sword and he finished the job with Goliath. Quand David a pris l'épée et qu'il a fini le travail concernant Goliath, I don't know if you know this. Je ne sais pas si vous savez que the Bible said that the priests who were the guarders of the presence. Que les sacrificateurs se sont rassemblés dans ce lieu. They went and they got that sword and they kept it. Ils sont allés prendre cette épée et ils ont conservé cela. And they put it away. Et ils ont mis cela quelque part. And then they brought it back to David. Et ils l'ont ramené à David plus tard. And the Bible is very clear. Et la Bible est très claire. That the sword is used to fight the battles of the Lord. Que cette épée est utilisée pour mener les combats de Dieu. And one day David went and he found the sword behind an ephod. Alors un jour David est parti et il a trouvé l'épée derrière l'ephod. And he said, I recognize that sword. Il dit, ah, cette épée là, je la reconnais. There has never been a sword like that one. Il n'a jamais existé une épée comme celle-là. There was something about that sword that meant something to David. Il y a quelque chose au sujet de cette épée qui a fait de David ce qu'il est. Because it reminded him of his victories. Parce que cela lui a rappelé la victoire qu'il a eue sur Goliath. And I believe that days of commemoration, days of trophies, days of plaques help us to remember. Et je crois que les jours de trophées, les jours de couronnement, les jours de reconnaissance nous permettent de nous rappeler. Archbishop, come because I know that you have something that you want to say about this right here. God bless you, everyone. Que Dieu vous bénisse. Thank you for letting me speak to l'archevêque à continuer. God bless à you from America. Je vous apprécie, je vous aime, je vous reverrai. Can you show him some love? Est-ce que vous pouvez démontrer plus d'amour envers l'homme de Dieu? Show him some love. Amen. Amen. Sit down for 2 minutes. Veuillez vous asseoir 2 minutes. I know you've been here for a while. Je sais que ça fait un bout de temps que vous êtes là. We want to finish. Nous voulons terminer. So you can go home. Pour que vous puissiez rentrer chez vous. The job is not over. Le travail n'est pas fini. Moving into a new territory like this. Se déplacer sur un nouveau territoire comme celui-ci. Every new move. Tout mouvement, nouveau mouvement. Every new level. Tout nouveau niveau. Brings new challenges. Apporte de nouveaux défis. Every new position. Toute nouvelle position. Attracts new devils. Attire des nouveaux démons. And so I want to hand over. Donc je veux
passer le flambeau. I want to give Bishop a sword. Je veux donner une épée à l'évêque. To remind him. Pour lui rappeler. That he must fight the good fight of faith. Qu'il doit se battre, mener le bon combat de la foi. That this is not the time to relax. Et que ce n'est pas le temps de se relaxer. That the battle is not yet over. Le combat n'est pas terminé. That in this new place, dans ce nouveau lieu, there will be devils, il y aura de nouveaux démons, new challenges, de nouveaux défis. But he must never put down the sword of the Lord. Mais il ne doit jamais déposer l'épée de Dieu. And anytime you face a new challenge, et chaque fois que tu rencontres un nouveau défi, and you lift up the sword of the et Lord, que tu lèves l'épée de Dieu, let heaven respond, que le ciel réponde, by fire, par le feu. Come, Bishop. Viens, s'il te plaît. Come, Bishop. We have here the Star of David. Nous avons ici l'étoile de David. That is the Star of David. L'étoile de David. If you ever see the flag of Israel, si jamais tu as déjà vu le drapeau d'Israël, it's blue and white. C'est bleu et blanc. And you see the Star of David on it. Et tu vois aussi l'étoile de David dessus. So this is the Star of David. Donc ceci c'est l'étoile de David. I'm going to hand over this sword to you. Je veux te donner cette épée. To remind you. Pour te rappeler. That the fight is not yet over. Que le combat n'est pas terminé. David said, "Fight the good fight of faith." David a dit, mène le bon combat de la foi. David said, "I have finished my course." David a dit, j'ai fini ma course. Bishop Ouattara. Bishop Ouattara. You have just begun. Tu as juste commencé. This is not the end. Ce n'est pas la fin. This is just the beginning. C'est juste le commencement. This sword is to remind you. Cette épée pour te rappeler. That the battle is not over. Que le combat n'est pas terminé. The fight is still on. Le combat continue. In this new territory. Dans ce nouveau territoire. As you lift up the sword of the Lord. Pendant que tu lèves l'épée de Dieu. Let every Goliath fall. Que tout Goliath tombe. Let every beast. Que toute bête. Let every dragon. Que tout dragon. Let every power. Toute puissance. Of darkness. Des ténèbres. That controls this territory. Qui contrôle ce territoire. As you lift up the sword of the Lord. Pendant que tu lèves l'épée de Dieu. Let them fall. Qu'ils tombent. Let them come down. Qu'ils tombent. Every dragon will be slain. Tout dragon sera décapité. Every lion will be slain. Tout lion sera décapité. Demonic altars will be destroyed. Les autels démoniaques seront détruits. As you lift up the sword of the Lord. Pendant que tu lèves l'épée du Seigneur. Let heaven respond accordingly. Que le ciel réponde en conséquence. Be reminded. Sois rappelé. That this is the beginning. Que ceci n'est que le commencement. This is not the end. Ce n'est pas la fin. This is the beginning. C'est juste le commencement. There are mountains to conquer. Il y a des montagnes à prendre. And you will conquer. Et tu vas les prendre. There are valleys to conquer. Il y a des vallées à conquérir. And you will conquer. Et tu vas les conquérir. There are giants to take down. Il y a des géants à abattre. And beasts to slay. Des bêtes à décapiter. You will slay them. Et tu vas les décapiter. You will take them down. Tu vas les faire tomber. You will have the upper hand. You will have the upper hand. Tu auras la main plus haute. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will stand. Tu tiendras ferme. You will win every battle in this place. Tu vas gagner tous les combats dans ce lieu. Let the nations come here. Que les nations viennent ici.
Let the great and the small come here. Que les grands hommes et même les petits viennent dans ce lieu. Let kings. Que des rois. Let princes. Que des princes. Let princesses. Que des princesses. Come here. Viennent dans ce lieu. To experience God. Pour expérimenter Dieu. And the glory of God. Et la gloire de Dieu. Let them come from the east. Qu'ils viennent de l'est. From the south. Du sud. From the north. Du nord. From the west. De l'ouest. To this house. Dans ce lieu. To this place. Cet endroit. And experience the power of God. Et expérimente la puissance de Dieu. Bishop Ouattara. Évêque Ouattara. In the name of the Father, au nom du Père, of the Son, du Fils, and of the Holy et Ghost, du Saint-Esprit, receive, reçois, a weapon. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Allez vous asseoir. I want the trumpets. Je veux que les trompettes. Stand in your position. Se tiennent dans leur position indiquée. Seven times you will sound the trumpet. Vous allez sonner de la trompette sept fois. And every demonic cycle in the atmosphere, in the area, breaks. Et tout cycle démoniaque dans l'atmosphère soit brisé. And there is a new sound. Et qu'il y ait un nouveau son. Let there be a new sound in this place. Qu'il y ait un nouveau son dans Let ce lieu. Let a new sound be heard in this place. Qu'un nouveau son soit entendu dans ce lieu. All right, go ahead, blow the trumpet. Faites-le. No, stop. Stop. Attendez. Shh. Attendez. All the four trumpets, you sound it the same time. Je veux que les quatre trompettes sonnent en même temps. One, two, three, four. Allez-y, tous ensemble. Every one of you. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Tous les quatre. Are you ready? Vous êtes prêts? One, two, go. Allez-y. One. Two. Deux. Let there be a new sound in the atmosphere. Qu'il y ait un nouveau son dans l'atmosphère. Let there be the sound of victory in this house. Qu'il y ait le son de la victoire dans ce lieu. Let there be the song of deliverance in this house. Qu'il y ait le son de la délivrance dans ce lieu. Song of deliverance. Le son de délivrance. Go ahead. Faites-le jouer. Go ahead. Continuez. Number four, go ahead. Quatrièmement, allez-y. Number five. Encore une fois. Number six. Sixièmement.
Everybody stand on your feet. Number 7. Now, everybody lift up your hands. Que tout le monde lève les mains. And we are going to make a declaration. Et nous allons faire une déclaration. 7 times. 7 fois. Number 1. Premièrement. Let God arise. Que Dieu se lève. And let his enemies be scattered. Et que ses ennemis soient dispersés. Let God arise in this place. Que Dieu se lève. Let God lieu. Arise in this house. Que Dieu se lève. And dans let cette maison. All his enemies. Et que tous ses ennemis. And the enemies of this house. Et les ennemis de cette maison. Be scattered. Soient dispersés. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? One, un, go. Deux, allez-y. Number 2, let God arise. Let his enemy be scattered. Number 3, let God arise. Let his enemy. Number 4, let God arise. Let his enemy be scattered. Number 5, let God arise. Let his enemy be scattered. Number 6, let God arise. Let his enemy be scattered. Number 7, let God arise. Let his enemy be scattered. Somebody shout. Now bring me my oil. Maintenant, envoyez mon huile. And let us pray. Et nous allons prier. Bishop. Évêque Ouattara. Michael, please come. Yeah. We have to go upstairs. Nous devons monter. Jesus. Lift up your hands. Levez les mains. Hosanna in the avec vos mains levées. We are consecrating this altar. Nous consacrons cet autel. We are making prophetic decrees. Nous faisons des déclarations prophétiques. Let the heavens above here. Que le ciel sur ce lieu. Let the earth. Que le sol. And the earth beneath here. Le sol en ce lieu et en dessous.
that this is a consecrated altar. Yes. Que tous entendent que c'est la consécration de cet autel. For signs. Pour des signes. Yes. For wonders. Pour des merveilles. For miracles. Pour des miracles. For demonstration. Pour la démonstration. Of power and of glory. De la puissance et de la gloire. For miracles, for healing. Des miracles de guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It's a place of celebration. C'est un lieu de célébration. It's a place of divine encounter. Un lieu de rencontre divine. And a solution. Et de solution. Place. Un lieu. We anoint this altar. Nous oignons ce lieu. We anoint this altar. Yes. I need more oil. More oil, oil, oil. Bishop, come stand here. Stand. Stand. Lift up your hands. Lève les mains, évêque. Come, girl. Break. Que maman se joigne à lui. Help my daughter to come. Stand together. Lift up your hands. Levez les mains. We raise firewalls. Nous élevons du feu. Around you. Autour de vous. We surround you with the oil of God. Surround you with the oil of God. Je vous entoure de l'huile de Dieu et le feu de Dieu. We consecrate you. Nous vous consacrons. The enemy will not penetrate. L'ennemi ne pourra pas entrer. Will not access you. L'ennemi ne pourra pas vous the atteindre. Enemy will not exert on you. L'ennemi ne pourra the pas enemy avoir will not afflict you or your children. Il ne va pas vous affliger in the ni name vos enfants. Of Jesus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus. We surround you with the oil of God. Nous vous entourons de l'huile de Dieu. And the enemy cannot touch you. Et l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Excellent. Excel. Excellent. Go forward. Allez de l'avant. Be more than a conqueror. Soyez plus que vainqueur. Be an overcomer. Soyez des conquérants. Be untouchable. Intouchable. Invincible. Invisible. Immovable. Inamovible. See many years of sweet victories. Ayez de nombreuses années de victoire encore. Many years of sweet victories. Beaucoup d'années de victoire. From now, à partir de maintenant, do ministry with ease. Faites le ministère avec aise. With ease. Avec aise. Have an open heavens over this place. Ayez un ciel ouvert sur ce lieu. Lift up your hands now. Levez les mains maintenant. Heavenly Father, Père céleste, we consecrate your people in this house. Nous consacrons ton peuple dans ce lieu. To you. À toi. For the supply. Pour l'approvisionnement of a new anointing, d'une nouvelle onction. We ask for a special grace, nous demandons une grâce spéciale. A special anointing, une onction spéciale. Let the glory cloud come upon them. Que la gloire descende sur eux. Comme let une your huile. Glory cloud come over this house. Que ton huile coule dans ce lieu. And from today, et à partir de ce jour, anyone that does not have a lamp. Toute personne qui n'a pas de terrain, that doesn't have a house on your own, qui n'a pas sa propre maison, receive impartation, reçoit l'impact, possess your land, possess ton houses, terrain, possess possession, possess ta possession. In the name of Jesus, au nom de Jésus, say yes. Dis oui. Now, every man of God here, tout homme de Dieu ici, who hasn't built, qui n'a pas encore construit, or you are building, ou bien tu es en train de construire and you haven't finished, et tu n'as pas encore fini, come forward. Viens devant. Let me pray for you. Je veux prier pour vous. Heavenly Father, Père céleste, behold your servants, voici tes serviteurs, behold your sons, voici tes fils, behold your daughters, voici tes filles. Let them receive, qu'ils reçoivent, the finishing anointing. L'onction de finition. The finishing anointing. L'onction de finition. The anointing to possess land. L'onction pour posséder des terrains. The anointing to possess buildings. L'onction pour posséder des bâtiments. The anointing to begin and finish. Pour commencer et terminer. You will buy land. Vous allez acheter des terrains. You will possess land. Vous allez posséder des terrains. You will possess properties. Vous posséderez des biens. You will begin to build.
Vous allez commencer à you construire. Will finish it. Vous allez terminer. To the glory of God. Vous aurez vos you will not die in the vous process. Ne mourrez pas dans le processus. You will build and you will inherit it. Vous allez bâtir you et will build hériter. And you will live therein. Vous allez bâtir et laisser you l'héritage. Will finish what you lay hands to do. Vous allez finir ce sur quoi you vous avez not mis die la main. In the process. Vous ne mourrez pas dans you le processus. Will not be stopped in the process. Vous ne serez pas arrêté you dans le processus. You will win every battle vous to the end. Vous allez gagner tous les combats. You will see the building finished. You will dedicate terminé. It in the name of vous Jesus. Receive that anointing right now. Put your hands together and acclamez scream amen. Et dites oui. Lift up your hands. Levez les mains. Say by divine authority. Dites par l'autorité divine. We command. Nous ordonnons. The release. La libération. Of lands. Des terrains. Of buildings. Des bâtiments. Of properties. Des biens. Of resources. Des ressources. Of inheritance. Des héritages. In the land. Dans ce pays. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Say, as I live here today. Après, I will possess lands. Après avoir quitté ce I will lieu, possess buildings. Je vais posséder I will des possess territoires. Properties. Je vais posséder des biens. I will possess possessions. Je vais posséder des biens. Right now. Maintenant. Put your hands together. Declare. Acclame et déclare say, cela. Déclare, declare. Déclare, déclare. I will possess. Je vais posséder lands. Des terrains. Buildings. Des bâtiments, properties, des biens, resources, des ressources. We release land. Nous libérons maintenant. We release land. Nous libérons des terrains maintenant. Acres of land. Des hectares de terrain. Hundreds of acres. Des centaines d'hectares de terrain. Des centaines d'hectares de terrain. Nous possédons nos we possessions. Dispossess and we possess. Nous possédons we nos possessions. And we possess. En possession, nous in possédons. The name of Jesus. Now, hear me. Écoutez-moi. Lift up your hands. Levez les mains. Say this with me. Dites ceci après moi. It's a prophetic decree you are c'est going to make right c'est now. Un décret prophétique que vous say allez prendre. In the name of the Lord Jesus. Dites au nom du Seigneur Jésus. I declare the earth is the Lord. Je déclare que la terre appartient à Dieu. And the fullness thereof. Et tout ce qu'elle contient. And all them that dwell in. Et tout ce qui habite sur cette terre. Are his. Lui appartiennent. And I am the redeemer of the Lord. Et je suis le racheté de Dieu. Therefore. Alors. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I dispossess anyone. Je dépossède toute personne. Who is occupying qui occupe my land, mon terrain, my property, mes biens. Let them be dispossessed. Qu'ils soient dépouillés. And I take possession. Et que je possède. Are you ready for that? Est-ce que vous êtes prêt pour cela? When you live here, quand vous partez d'ici, somebody has been dispossessed. Quelqu'un a été dépouillé. And you are going to possess et something. Et toi, tu vas posséder quelque chose. If you believe it, say yes. Si tu crois, dis oui. The anointing to possess land. L'onction pour posséder des terres, des biens. Buildings. Des bâtiments. Is coming upon you right now. Descends sur vous maintenant. Is coming upon you right now. Descends sur vous. Receive that anointing now. Recevez cette onction. Say, I receive it in the name of Jesus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Now. Maintenant. Go to two people. Allez vers deux personnes. And congratulate them. Et félicitez-les. Tell them congratulations. Dites-leur félicitations. Congratulations. Félicitations. Congratulate them. Félicitations. Félicitations.
Nous allons continuer. Just 1 minute. On peut librement apporter au Seigneur. We can come freely to bring our offering to the Lord. Et tous ceux qui sont au niveau des étages, vous avez des paniers, vous pouvez déposer au niveau des paniers. And for those who are up there, you have the basket. You can put your offering in the baskets. Et cela va être ramené à l'autel. And the usher will bring all the baskets to the altar. Ceux qui sont dehors, vous pouvez également déposer dans les paniers. For those in the overflow, you can put the money in the baskets. Et cela va être ramené à l'autel. And the ushers will bring them at the altar. Maintenant, écoutez ceci. Le moment, il est propice. So now I would like you to listen to this because the time is favorable. Au-delà de tous ceux qui viennent vers l'autel pour donner. Beyond those who are coming to the altar to bring the offerings. Je vais appeler normalement un certain nombre de personnes qui vont venir représentant des groupes. I will call, I will name some people who come and represent some groups. Pour déposer des autels sur cet autel. They will come and lay their altars, they will bring the offering on this altar. Alors restons assis. Please, let us remain seated. Princess. Ok. Les pasteurs, j'aimerais que ce qui se fait dehors soit bien fait. Il faut un service. Please, pastor, make sure that what is taking place outside is well conducted. Amen. Ok. Alors, je demande à tous les pasteurs établis sur des églises, ambassades et miracles, de venir déposer l'autel prévu, n'est-ce pas, pour la circonstance. Sur l'autel, notre nouvel autel. So now I would like to ask all the pastors established on the miracle churches to come with the offering that they have prepared, come and put them on the altar. Les pasteurs, vous déposerez l'autel des pasteurs et vous déposerez l'autel des églises sur l'autel. So the pastors are supposed to come and bring the offering for the churches and their own offering as pastors. Faites ça rapidement, s'il vous plaît. Please do it quickly. Tous les pasteurs, les serviteurs. All the pastors, all the servants in the house. Rapidement. Quickly, j'aimerais qu'ils soient suivis par les diacres. I would like the deacons to come right after them.
J'aimerais qu'ils soient suivis par les diacres et les responsables. I would like them to be followed by the deacons and the leaders in the church. Let's go. Power. He came on. Yes. Yes, more. You want a kind of power. He came on. Things. You are in this room, baby God. Come on. You are the God of power. He can more. You can more. You declare the end from the beginning. Let and from the ancient times, the things that are you done. You are the God. Enfin, tout le peuple peut venir librement honorer Dieu. So finally, all the people of God can come and honor God. En venant établir, n'est-ce pas, sur cet autel nouvellement bâti, so un come, sacrifice. Come and bring your sacrifice on this altar. Selon les Écritures, pour honorer Dieu. To honor God. Maman Tania. Maman Tania. You do unimaginable things. You are indescribable, God. You are the God of power. He can more, he can more. Ne restez pas sur l'autel, ne restez pas sur l'autel. Don't remain before the altar. He can more, he can more, he can more. Merci, là-haut, vous pouvez le faire dans les paniers là-bas. For those who are up there, you can put your offering in the baskets. Et dans les salles annexes, vous pouvez le faire dans les paniers. And for those who are in other rooms, you can put your offering in the baskets. You found a baby without a womb. You divided the Red Sea by the breath of your nostrils. You are the God of power. He can more, he can more. Service God. He can more, he can more. Yes and more, yes and more. You are the God of power. He can more. You are the God of power. He
from the baby, without the woman. You devour the Red Sea, but the breath of your nostrils, you are the God of power. I like it. He came up, he came up. You from the baby, without the woman. You devour the Red Sea, but the breath of your nostrils, you are the God of power. Don't remain near the altar. He can more, he can more. You are the God of power. He can more, he can more.
on se dépêche un tout petit peu. Let us do quickly. Arababa, ayaba, yeah, alebo shatalaba baba, aya. I anticipate your power, Jesus. You are to be. You are the great God, oh. In different ways, I anticipate your power, Jesus. You are to be. You are the let us hurry up. You are the greatest. In different ways, in different ways, I am the power. Jesus, juste donner une ovation bien fournie au Saint-Esprit. Please, can we put our hand together for the Holy Spirit? Pour sa grâce. For his grace. Pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui.
Aidez-moi à célébrer le nom de l'Éternel. Please help me celebrate the name of the Lord. Amen. Amen. Juste trois fois, déclarer avec moi, merci Jésus. Say three times, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Et acclamons-le. And let us clap for him. Amen. Nous allons mettre fin à ce moment. So we put an end to this ceremony. Avec deux prières. With one prayer. Et après quoi, je vais libérer tout le monde. And after that, I will release everybody. Et ceux qui veulent rester pour faire la fête, ben on va faire la fête ensemble. And for those who want to remain to rejoice, we're going to rejoice together. Pour la gloire de Dieu au nom de to Jésus. To the glory of the Lord in the name of Jesus. Attends, quand même, hein. Wait, wait, please. Wow. Glory. Wow. Ah ça. Cet homme est plus qu'un prophète. That man is more than a prophet. Plus qu'un prophète. He's more than a prophet. Aujourd'hui à midi, on m'a annoncé un combat. Today at midday I was announced a fight. Des combats qui ne finissent pas. The fight that are endless. Mais aujourd'hui, ça va finir définitivement. But today the fight will end forever. J'ai été impressionné. I was impressed par le fait by the fact that qu'il prêche dans cette salle sans micro. He preached in this auditorium without the microphone. Là où Dieu l'a envoyé à ce niveau-là. With the level where God took him. Faire ça. To do that, c'est de l'amour. Is a sign of love. C'est beaucoup d'humilité. And is lot of humility. Est-ce que tu peux honorer Dieu pour la vie de son serviteur? Can you honor God for the life of his servant? Honor God for the life of his servant. Je vais appeler Papa Bernard. Please, I will call Daddy Bernard to join me. Maman, tu peux venir avec lui. Je vais appeler Mama, Papa Dra. Mama, you can Dra. Come. I will call Daddy Dra. Et je suis tellement sécurisé quand mon épouse est tout près de moi. And I'm secured when Mami Tania is near me. Alors lui, il ne veut pas lâcher l'affaire. Hein? Amen. Je vais leur donner le micro. I will give them the microphone. Pour dire un mot, une bénédiction, et je vous donnerai les communiqués. To say one word and then I will give you the announcement. Mais je vous en prie, élevez les mains. Please, I would like you to raise your hands. Et bénissez notre premier fils. And bless our first son. On l'appelle affectueusement champion, mais it's il s'appelle Elie Élisée. Champion. Elie Élisée. Elijah and Elie. Elisha. Et aujourd'hui, and c'est son anniversaire. And today is his birthday. Donc, s'il vous plaît, levez les mains et dites un mot pour lui avant que je donne le micro. So please, dites un mot pour lui. Stretch your hand and say a word for him before I give the microphone. Il n'est pas au milieu de nous. Dites he's un not, mot pour lui. He's not here in our midst, but I would like you to say one word for him. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci à mes soeurs, à ma soeur, merci à mes frères. Thank you to my sister, my brothers, to all of you. J'aime tellement te voir là. I love to see you. Alléluia. Alors, Papa Kwangi, un so daddy, mot à dire. Kwangi, we say one word. Daddy, we say one word.
Alléluia. Wow. Wow. C'est formidable. That is wonderful. C'est formidable. This is wonderful. Alléluia. Amen. Dans mes nombreux voyages, c'est dans les pays anglophones qu'on voit de telles prouesses. In my many travels, it's only in anglophone countries that you can see such an edifice. Et maintenant, nous avons commencé à voir dans les pays francophones des églises de cette dimension. So now we have seen, we are starting seeing in francophone countries these kind of buildings. Félicitations, mon fils. Congratulations, my son. Félicitations, ma fille. La congratulations française. To his daughter. Alléluia. 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 En tant que père, c'est une grande fierté. As a father, it's a big pride. I'm very proud. Un fils est appelé à faire plus grand que son père. A son is called to do better than his father. Il perpétue l'œuvre de son père. He perpetuates the work of his father. Je suis fier et je bénis le Seigneur. I am proud. Gloire à Dieu. And I bless the Lord. Mes félicitations à vous tous, que Dieu vous bénisse. Congratulations to all of you. May God bless you. Il y a encore le meilleur à venir. The best is to come. Plus grand à venir. Greater is to come. Mieux encore. Alléluia. Greater is to come. Comme a dit le prophète tout à l'heure. As the prophet said. Que son nom soit béni. May his name be blessed. Amen. Amen. Alléluia. Ils sont tous ici avec leur épouse et puis moi je suis seul. Donc je vous amène les salutations de mon épouse à Lomé. I'm bringing you the greetings of my wife in Lomé. Alléluia. Salut également apôtre Bernard. She also greets the apostle. Pour le travail qu'il est en train de faire. For the work that he's doing. Son épouse qui est ma petite sœur. His wife who is my junior sister. Amen. Donc, je suis ici aujourd'hui. I'm here today. Toujours pour vous féliciter. To congratulate you. Une onction supérieure a béni cet hôtel. Moi, je pense pas que j'ai encore quelque chose à faire. A superior anointing has blessed this hotel. I don't think that I have something to do. Mais tout ce que je voudrais que vous sachiez. But what I want you to know. C'est au prix des sacrifices. Is at the price of sacrifices. D'un homme et d'une femme. Of a man and a woman. Chaque fois qu'on célèbre une victoire. Every time we celebrate a victory. Pour moi. For me. C'est le meurtrissure qu'on est en train de célébrer. We are celebrating wounds. It's not wounds. It's not wounds. Bruises. No. Stripes. Stripes. Okay, stripes. We are celebrating une stripes. Une blessure est différente d'une meurtrissure. Okay, so a wound is different from stripes. Hallelujah. A stripes. Une meurtrissure, une plaie cicatrisée. So a wound is scarred. Alléluia. Yes. Donc, ça a pris beaucoup de sacrifices. It cost them a lot of sacrifices. Des sommeils sacrifiés. They sacrificed their sleep. Une vie familiale avec son épouse sacrifiée. A family life with his spouse sacrificed. L'argent destiné à sa famille sacrifié. The money for his family sacrificed. Et à côté de la joie que nous célébrons. And now we are celebrating the joy. The joy. Il y a toute une histoire derrière. There is a story behind. Et je voudrais. So I would like. Que vous acclamez pour ce couple. For you to clap your hand for this couple. Clap your hand for this couple. Amen. Pour avoir un succès supplémentaire.
To have another success, il faut un sacrifice supplémentaire. You need an additional sacrifice. Des moments de sommeil. Of time of sleep. Des moments de dorloter sa femme. Time with your wife. Tout est parti à l'église. All those time were invested in et the church. Et au-delà de votre joie. And beyond your joy. Qui veut acclamer pour Mama Tania seulement? Who pour wants to clap his hand for Mama Tania? Ça prend des femmes spéciales. Special woman. Ça prend des femmes spéciales pour épouser les pasteurs. You need a special woman to be the wife of a pastor. Special woman. Special woman. To be pastor's wife. To be pastor's wife. Et chaque fois que je vois les femmes de pasteur. And every time I see the pastor's wife. De mon épouse. And my wife. Ses sacrifices. The sacrifice. Ses joies. The joy. Ses peines. Donc, au-delà de ce grand succès, and beyond that big success, je vois un homme qui a tout sacrifié derrière. I see a man who sacrificed everything behind. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sacrifice. Thank you for your sacrifice. Alléluia. Et celle qui a supporté, merci. Et les enfants. And the children. Vous savez quoi, la dernière fois, you know, last time, je fêtais les 60 ans. I was celebrating my 60 years. On était en direct sur Facebook, à la télévision. On Facebook, on the news channels. Et on demandait à mon premier fils. And they interviewed my firstborn son, my son. Quelles sont tes impressions? What are your impressions, your feeling? Il a dit quelque chose et puis j'avais les larmes aux yeux. And he said something and I had tears in my eyes. Il dit, vous êtes content parce que vous avez un père. He said, you are happy because you have a father. Mais nous avons toujours dit papa, papa, mais il n'avait jamais été à côté de nous. We have been saying daddy, daddy, but he was not near us. Il est d'avion de pays en pays. He was traveling from plane to plane, from country to countries. Et lui, il a beaucoup payé le prix. He paid the price a lot. De ne pas me voir à côté de lui. Not to see me near him. Les 15 premières années de mariage, aujourd'hui ça fait 32 ans. The 15 first years of marriage and today we are at Alleluia. The 32nd year. Et vous savez celui qui m'a corrigé? And you know the one who corrected me? C'est Archbishop Duncan William qui était venu à Lomé. Archbishop Duncan William who corrected me. J'étais parti le saluer. I went to greet him. Il dit, amène-moi ta femme. And he said, bring me your wife. Et j'ai amené ma femme. And I brought my wife. Il a commencé par nous donner des conseils. And he started giving me pieces of advice. Il dit, jeune homme. He said, young man. Reste à côté de cette femme. Remain near this woman. C'est pourquoi les autres enfants n'ont pas souffert. And that's why all children did not suffer. Donc un pasteur qui veut réussir. So a pastor who wants to be successful. Sacrifie tout. Has to sacrifice everything. Donc au-delà de la joie. And beyond the joy. Je vois les enfants derrière. I see the children behind. Je vois sa femme derrière. I see his wife behind. Moi, on me l'a dit ouvertement. Me, this was told to me openly. Vous avez eu un père. You had a father. Qui reste toujours avec vous. Who remained with you all the time. Et moi, tant que fils. But me as a son. Je le voyais rarement. I used to see him barely. Jusqu'aujourd'hui, ça résonne dans ma tête. Till today, it's resounding in my head. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il est au Canada. And today, he's living in Canada. Mais je l'ai sacrifié. And I have sacrificed him. Pour être là où je suis. To be where I am. Donc, priez beaucoup pour les pasteurs. So, please pray a lot for the pastors, leurs wives, leurs épouses. And the spouse. Une fois encore, couple Ouattara. And once merci again, pour le sacrifice. Ouattara, thank you for que the sacrifice. May God bless you. On célèbre Dieu, n'est-ce pas, pour ses papas. We celebrate God for these fathers. Merci également au prophète héritier qui est venu depuis la RDC. Thank you to the prophet héritier who came et all the way from, son amour. From Congo. This is a sign of love. Et aujourd'hui, il est de la famille. And today is part of the family. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you.
On va s'arrêter là. We're going to stop here. Amen. Alors, je vais juste prier sur la scène. So I'm going to pray on the Holy Communion. Et en partant, ceux qui veulent communier vont prendre la scène avant de rentrer. And those who want to have part, they can come and have the Holy Communion before they go home. Je suis sûr que vous vous attendez à ce que je dise dimanche prochain où est-ce qu'on fera le culte. I'm sure that you are expecting me to tell you where we're going to have our service next Sunday. D'accord. Asseyez-vous une minute. S'il vous plaît. Please, you may be seated for merci. Few minutes. On avait prévu à la base we had planned intégrer définitivement la maison le 1er octobre. To come in this house on the 1st October. On veut tout parfaire. Mais vu ce qui s'est passé aujourd'hui là, but given what has taken place today, je ne me vois pas en train de retourner sur l'autel. I will not go back to the former qui altar. Qui avait été établi avant celui-ci. That was established before this one. Donc on va arranger les choses. So we're going to put things together. On va arranger nos affaires. We're going to put our things together. Mercredi et vendredi. And Wednesday, Friday. On va être aux deux plateaux Carrefour d'un camp. We will stay at deux plateaux Carrefour d'un camp. Dimanche. And on Sunday. À 7 heures. At 7 a.m. C'est établi. It's established that we'll come here. On va commencer avec un culte. Dites amen très so bien. So we're going to start by one service. Dimanche 7 heures. Sunday 7 a.m. On a eu l'épée, c'est bon. We have a sword. It's perfect, it's enough. Dites-moi amen. Say amen. Je vous dirai en semaine, il faut être au culte mercredi et vendredi. So I would like to let you know that you have to be there on Wednesday and Friday. L'église aux deux plateaux sera ouverte. The church of deux plateaux will be open. Et je vais affecter l'un de mes pasteurs là. And I will post one of my pastors there. Il va devoir faire un travail pour remplir 5000 places. He will have to work hard to fill the auditorium. Oui, je lui laisse tout. I will leave him everything. Je lui laisse les climatiseurs, les chaises, the ACs, the chairs, tout, everything tout. Inside the auditorium. Mais après 6 mois, but after 6 months, s'il a flashé, if he failed, on met quelqu'un d'autre. We will replace him by someone else. Dites-moi amen très bien. So amen. Donc je m'attends à vous voir mercredi et vendredi au culte. So I'm expecting to see you on Wednesday and Friday for the service. Peut-être que le prophète héritier nous bénira aussi, sait-on jamais. So maybe the prophet is going to bless us. On va le maintenir, il va nous bénir mercredi. We maintain him and he's going to bless us on next Wednesday. Si tu es d'accord, donne un amen majeur. Give an major amen. On va le maintenir, on va le maintenir, il va nous bénir. We maintain him so that he will bless us on Wednesday. Mercredi. On Wednesday, he will bless us. Que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Pendant que j'ai dit son nom, je me suis souvenu du prophète Joël Francis Tatou. As I mentioned his name, I remember Prophet Francis Tatou. Parce que c'est lui qui m'a connecté à lui. Because he was the one who connected me to the prophet Joël Tatou. Dites-moi amen très bien. Say amen loudly. Que Dieu le bénisse et bénisse may son ministère. May God bless him and bless his ministry. Onel Mala est là? Onel Mala is there. On peut acclamer le Seigneur pour lui. On dirait que tu as venu t'asseoir ici. On dirait que tu as venu t'asseoir dans cette maison. Amen. Donc, je prie juste sur la scène là et puis tu vas nous donner quelque chose. D'accord? Est-ce que vous l'aimez? Il faut célébrer les dons et les please, talents. Do you love him? Celebrate the gift. Il faut célébrer les dons et les talents. On peut bénir la scène? Joyeux anniversaire, pasteur Moïse Mbié. Comment? Joyeux anniversaire, princesse.
Nalongae, Yahweh, Nalongae. Salanga Nalongae. Thank you. Thank you. Ce pain est béni. This bread is blessed. Ce vin est béni. This wine is blessed. Et nous prenons cela en mémoire du Seigneur. And we take it in memory of the Lord. Pour établir une communion to forte. To establish a strong communion. Dans la chair et dans le sang avec notre Seigneur. In the flesh and the blood with our Lord. Quiconque mangera de ce pain mangera le corps de Christ. Whoever will eat this bread will eat the flesh of the Lord. Et quiconque boira de ce vin boira le sang de Christ. Whoever will drink of this wine will drink the blood of the Lord. Seigneur, pose une signature définitive sur tout ce que nous avons reçu. Lord, please put a signature on this. Et qu'aucune réclamation ne vienne voler ce que tu nous as donné. And let no claiming come and steal from us what you have given to us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Restez assis, restez assis. You may remain seated, you may be seated. Les diacres vont vous servir. The deacons will serve you, will give you the communion. Je le répète, mercredi nous serons avec le prophète héritier Grâce. I said, next Wednesday we're going to be with the prophet héritier Grâce. Carrefour d'un camp en route du zoo. Carrefour d'un camp, the road to the zoo. The road to the zoo. Yeah, the zoo, the zoo. Yes, correct, papa. Pasteur Loge, on t'a fait quoi? Non, c'est vrai. Non, je sais que ça se dit comme yes, ça, mais la manière zoo. Dont... Zou, zou. Le papillon vert. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous êtes un champion. Merci, merci, merci. Love you, love you, love you, love you. On mange et on se retrouve mercredi par la grâce de Dieu à 17h30. We take the Holy Communion and let us see again next Wednesday by 5 oh là là. p.m. Oh là là, j'ai failli commettre un impair. Please... Tous ceux qui ont pris l'engagement avec l'archevêque. All those who vowed with archbishop, il doit partir. He has to go. Si vous avez cet engagement, c'est l'archevêque. If you have the money that you have vowed to give to archbishop, l'archevêque, OK. Si vous avez cet engagement, s'il vous plaît, venez le mettre sur l'autel. If you have with you the money that you have vowed to give to archbishop, come please put it on the altar. Mais écrivez dessus archevêque. But write on it archbishop. Écrivez archevêque. Make sure that you write on it archbishop. Si vous n'avez pas pris cet engagement, restez assis. Ils vont vous servir. Please, you remain seated. You're going to be. Kone Fontali est là. Le chant Kone Fontali est là. Est-ce qu'il est là? Il a dû partir. Bon appétit. Laissez monter Onel maintenant, s'il vous plaît. Célébrons Dieu, n'est-ce pas, pour son serviteur qui vient maintenant. Let us celebrate Lord, the Lord for his servant who's coming now. On est à la fin. Et le meilleur, c'est pour la fin. Célèbre Dieu you pour... You are at the end and the best is for the end. Le chanteur Onel Mala. Let us celebrate the singer Onel Mala. Thank you. C'est un talent incroyable pour notre pays. Et moi, je l'aime tellement. Je suis tellement fier du don et de la grâce que Dieu lui a accordé. Tu es d'accord avec moi? Recevons-le. Atuo, 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 emon, atuo, 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 emon, atuo, atuo, na, wo lo lo lo, emon. Atuo, atu, eh, eh, atuo, atuo, atu, eh, eh, atuo, emonu, nuo,
nous me donne ça. Yeah, à tout. Elle est à tout. Na na na, na na na, mon oh, amano kaloma. Yeah, à tout. Yeah, la paix est à tout. Yeah, oh, lo lo lo. La 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 tuona amano kalumare di kwade ne sakobade wololo wololo emonu hi hi jose atuo biki atuo Fais-tu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Oh, oh, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira alléluia, alléluia, alléluia. 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 Oh 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 oh. Nous qui avons gardé la foi, oh ouais, il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Et tout œil le verra, toute langue le confessera. Et devant lui, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. Oh, oh. Ce jour-là, on dira, alléluia, 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 alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir Jésus. L'aveugle le verra. Et même le sourd l'entendra. Oh, yo, 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 yeah. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera et dansera. On dira. Les élus de Dieu sont là ce soir. Il est le père des orphelins. C'est la fête, le lieu est consacré. Quand on tonne ce gangonier, on dit. Quand on tonne ce gangonier, ah,
so boning cabo. Oh, you were there. Yeah, happy why and so babo, so bad and no one so good. Oh, you were there. So for you were there. God to remember you. Yes, oh, you were there. It's incredible to you, but God to remember you. You were there. Yes, I know, but I want to know. God remember you. Oh, you yeah. Are. Oh, young way. He's a go, you are not a dead somebody in cover. Yeah, oh, you wait. Oh, you wait. So go, you are. Oh, don't worry. Oh, man, God. Yeah, oh, man, God. Yeah, oh, man, God. You were there. I say everything's gonna be right. A chair up, oh don't worry, yeah. A chair up, got to remember you. Chair up, oh don't worry. You did me so good, yeah. Now me does somebody come to you. Oh la la. A chaque son pas de danse, ah, à chaque son pas de danse, à chaque son pas de danse, ah, à chaque qui dan, qui kadan, qui sakada, que de deux, kadaka, ce que de sakada, ce que de pika, qui dan, qui saka, qui saka, qui la vie.
La villa, ça lui a coûté sa vie. MTV+.